Bonjour, on est avec la carte qui s'élève tôt, on y va? On est là? Avec elle, on va regarder la carte qui s'élève tôt pour nous. Un petit mélange s'impose. J'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit thé, votre petite tartine pour commencer la journée. Vous avez pris des forces. Et puis ceux qui sont dans la nuit, qui regardent, eh bien, je vous souhaite une belle nuit si vous êtes dans la création, par exemple, hein. Il y a des personnes insomniaques qui écrivent ou qui lisent aussi, hein. Je vous souhaite une belle nuit aussi. Puis ceux qui entament la journée, je vous souhaite une bonne journée au travail ou autre. Si vous êtes en vacances aussi, on va regarder la carte. Je coupe pour vous. Je mets cette carte de côté ici. Vous la visionnez, hein. Pas de triche. Comme ça, vous savez que je ne vais pas prendre une autre carte. Et nous allons la regarder ensemble. Et nous avons moi. Waouh! La couleur est trop belle. Je trouve magnifique cet oracle parce qu'il y a vraiment des couleurs. Hein. Vous les voyez avec moi. Hein. C'est des couleurs incroyables. Donc, c'est la carte moi. Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Voilà, cette carte vous dit de vraiment vous écouter. Écoutez votre petite voix, écoutez ce que vous avez besoin, écoutez ce que votre âme elle vous dit. Elle vous demande parfois des choses. À travers le corps, elle nous parle aussi quand nous avons des problèmes de santé particuliers. Ça peut nous parler aussi. Hein. Le corps parle pour dire quelque chose de particulier et d'important. Donc des fois, on ne voit pas. On ne voit pas ce que le corps nous dit. Quand on dit maladie, il y a le mot mal à dire. Dit, le mal dit. Ici, c'est pareil. Là, vous êtes vraiment avec vous, sans rester dans l'égocentrisme, hein, on va dire ici, le nombril. Hein. Non, on parle ici de régner dans votre âme, comme on peut régner, c'est-à-dire dans l'harmonie, et de prendre place à l'intérieur de soi, comme il se doit, avec des besoins. On a tous des besoins. Et si on ne fait pas attention à nos besoins, on ne peut pas s'épanouir et réaliser ce qu'on doit réaliser. Il faut d'abord être solide, comme on construit une maison avec des fondations. L'âme, c'est la même chose. Il faut de bonnes fondations pour pouvoir réaliser ses projets, aller de l'avant et pouvoir aider les autres. Voilà. C'est la carte qui vous dit, moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Voilà. Concentrez-vous aujourd'hui par rapport à ça. Concentrez-vous sur ce moi intérieur qui vous amène à réaliser ce que vous devez faire. Qui vous dirigera aussi vers ce que vous êtes. Voilà. En étant vous-même moi. Eh bien, avec cette belle carte, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose et bonne journée.